Bon! Hey, là, c'est vrai. Je vous dirai pas là que juste avant que vous mettiez ça à on, j'avais tout fini. Mais j'avais oublié de mettre la petite disquette dans la caméra. Et franchement, celle-là, là, on va la boire. Je vous la partage. Bon, fait que imaginez-vous donc, j'étais en train de faire mes petits sacs, mais là, j'ai de quoi dans l'œil. Oh là là. Bon, je voulais vous dire, si tu verrais ça, qu'il y a de la neige aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est épouvantable. Ici, c'est l'été, la pelouse est verte, les prés ont commencé à renaître. J'ai fait même des plantations. Je vous montre ça à l'écran, là. Je vous dis pas ce que j'ai semé, par exemple. Mais j'ai fait ça hier. C'est un test que je fais cette année. Ce que j'ai planté là, là, la graine dans le sol, ça peut se semer 2 semaines avant le dernier gel. J'ai regardé l'almanach. Il n'y a pas vraiment de gel là, dans les prochaines semaines. D'après moi, là, on va jouer safe à part vous autres. Là, si vous êtes au nord de Drummondville ou de Saint-Hyacinthe, mes sympathies, je ne sais pas comment vous faites. Alors, imaginez-vous donc, moi, je suis en train de faire les plantations. C'est-à-dire, on prépare ça d'avance pour, mettons, le loufoc, la gourde, les piments de paprika et tout ça. Là, il faut planter ça d'avance en dedans. Fait qu'on se fait des sacs géotextiles comme ça. On va planter, ça va germer, après on met ça dans la terre, bingo, c'est fini. Fait que ça, j'en ai à peu près 3-4 000 à faire, parce qu'il va y avoir principalement du loufoc, de la gourde. Je me répète, mais c'est pour des produits qu'on avait expérimentés l'année dernière, qui ont très bien marché, microclimat, c'est magnifique. Alors on va faire toutes sortes de produits. Là, je vous montre à l'écran une photo des gourdes. Ça, c'est la petite récolte expérimentale de l'année dernière, qu'on a fait sécher dans une cabane ici, pendant l'hiver. Et là, c'est devenu vide, 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 léger. On peut faire des lampes, des plats, de la vaisselle, de la décoration. On peut même faire des gadgets sexuels. Je vous en dis pas plus. Je suis en train de breveter ça sur la propriété intellectuelle. Je vous dis, ce business-là, ça va rouler dans le tapis. Oui, puis je vous dis pas quel gadget. Vous l'apprendrez au fur et à mesure. Bon. Alors ça, c'est pour les plantations, puis on va chercher la terre. Tu sais, les gens se disent « Ah, les centres de jardinage, ça va-tu être ouvert dans les prochaines semaines? » Moi, j'ai pas ce problème-là. Heureusement, je vais dans ma forêt, je vous montre ça, et je prends le terreau qui est très, très riche. Là. Tu sais, ça a pas bougé de là depuis des décennies. Là. C'est pas une très vieille forêt, mais quand même, c'est un sol qui est très riche. Alors, je mélange tout ça. Et on fait nos plantations dans des petits sacs comme ça ici. Il y en a plusieurs. Alors, ça va très bien. Il fait chaud, c'est beau. Puis je me suis dit, quelle bonne idée! Là, c'est le temps de sortir les animaux. Là, on est dû, la fièvre du printemps. Là, il faut aller courir dehors, prendre l'air. C'est fini le box. C'est fini, là, rester là, dans un environnement fermé, triste. Là, c'est le temps. Il faut que ça sorte. Alors là, je me suis essayé avec les boucs. Alors, j'ai sorti mon bouc préféré, ma petite saucisse. Hein? Regardez-moi ça, comment est-ce qu'elle est belle, ma petite saucisse. Alors, moi, je pensais bêtement que la saucisse allait brouter l'herbe. On m'a dit, c'est des superbes tondeuses. Alors, dans une approche éco-responsable, moi, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé ma tondeuse, puis pas de gaz à payer, rien. Alors, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, elle ne veut pas manger, le petit bouc. Alors, j'ai essayé de donner l'exemple, puis ça ne marche pas plus. T'as beau manger de l'herbe devant elle, ça ne l'impressionne pas. Alors ça, ça a été pour la petite saucisse. Maintenant, il faut que je vous parle de Mary Poppins, la génisse. Là, j'ai 3 génisses. Ils ont à peu près 8 mois. Pèsent, je sais pas, 500-600 livres. Là, je ne les ai pas mis sur la balance, là, mais on m'a dit que c'était à peu près ça. Peut-être plus, même. Je n'ai pas été capable de sortir les 3. Je m'étais même acheté un lasso. Hein? Je vous avais montré ça peut-être la semaine dernière. Là, on a essayé de tirer, puis ça ne marchait pas. Alors, on s'est dit, tiens, on va l'attirer de la bouffe. Fait que j'ai mis de la bouffe, puis Mary Poppins, qui est un tempérament, la 63, plutôt réservée, timide, mais très indépendante, là, t'sais. Puis elle saute tout le temps, puis elle veut monter tout le monde, puis, mais elle est toujours en retrait. Elle ne viendra pas naturellement te voir, il faut que tu ailles la chercher. Fait que là, elle est sortie la première, elle avait hâte, puis on a perdu le contrôle. Je ne sais pas si vous pouvez constater, là, mais j'étais un peu en panique. Là. Moi, je pensais qu'elle allait rentrer dans l'écurie, puis qu'elle allait tout casser, ou pire que ça, qu'elle allait se garrocher dans la piscine, puis qu'elle allait se noyer. Tu sais, dans la pente descendante de la piscine, là, oublie ça, là, c'est fini, là. Je ne sais même pas si ça nage, une vache. C'est une bonne question. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. En tout cas, fait que ça a été ma semaine. Ça a été un peu ma semaine avec les animaux à travers la plantation, puis semer tout ça, puis sortir du fumier aussi. On en a sorti encore une bonne batch. Fait que c'est tout, mais je veux terminer
La semaine dernière, puis ça roule encore cette affaire-là, on jette beaucoup de lait. Moi, j'ai vu plein de vidéos comme vous autres, puis il y en a qui m'en ont envoyé, merci, là, où on voit, là, ça sort de la tank, là, puis c'est jeté, là, comme ça, là, ça s'en va direct, là, dans la fosse à fumier ou ailleurs, là, je sais pas. C'est d'une grande tristesse, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire que ça leur fendait le cœur. Il y en a même un qui m'a dit que ça s'était pas fait de sa mémoire à lui, là, depuis 1976, là. Vous rendez-vous compte, au siècle dernier. Ça arrive des fois en Beauce, hein. On a vu ça il y a une couple d'années, la rivière Chaudière déborde, les chemins sont fermés, le troc peut pas aller chercher le lait, ben il faut se craper le lait, on n'a pas le choix. Mais moi, je pensais naïvement qu'on trouverait une solution à ça, puis c'est le même problème aux États-Unis, puis dans l'alimentaire autre que le lait aussi. Je tousse, là, mais c'est pas la COVID, là. C'est ma toux de fumeur. Puis finalement... Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait un maillon de la chaîne alimentaire, là, de transformation, mettons, du pied de la vache jusqu'à la tablette chez Métro, par exemple. Là. C'est tout intégré, ces affaires-là. Puis là, il y a un maillon qui fait défaut, puis là, tout refoule. Puis bon, évidemment, dans les usines de transformation, il y a eu des retraits, il y a moins de personnel. Les usines fonctionnent à plein régime, mais ils peuvent pas faire plus. En tout cas, il y a plusieurs raisons, puis... Des fois, tu parles à plusieurs personnes dans le milieu de la production laitière, puis tu as des raisons différentes qui t'expliquent pourquoi on jette le lait, là. Alors, tu mets tout ce casse-tête-là ensemble, puis tu te dis, ben, coudonc, il y a de quoi qui marche plus, puis tout marche plus. Puis là, les gens disent, les langues sales, ou les gens qui connaissent pas ça, disent, ben, c'est ça, c'est à cause de la gestion de l'offre. Non, c'est pas à cause de la gestion de l'offre, pantoute. Heureusement qu'il y a la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, ça sert aussi à stabiliser les aléas de la vie, là. Puis moi, quand j'ai vu la lettre de la Fédération des producteurs de lait, me semble-t-il, là, qui dit, bon, entre autres, la façon dont on va administrer financièrement le quota, là, il va y avoir des changements. Il y a un pool qui va supporter les pertes éventuellement, de ce que j'ai compris. Mais oubliez pas que le pool, à un moment donné, ça a une fin, là, cette affaire-là. Là, t'sais, moi, je vous dis, la relance... Après la pandémie, elle va être difficile. Ça va être long. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas de pénurie de nourriture, mais économiquement, ça va être difficile. Ça sera pas facile. Même les scientifiques, je ne sais pas si vous avez vu, ils disent que le retour au travail, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, ça va se faire par des gens qui ont développé, admettons, le fameux 15 % de la population qui a des anticorps. Ou ça va être des gens qui ne seront pas diabétiques, qui n'auront pas d'asthme, qui n'auront pas de problème cardiaque au niveau auto-immune, là, t'sais, qui ont un problème avec leur système immunitaire. Fait que là, tu enlèves du marché du travail de façon préventive jusqu'au vaccin, tu enlèves des millions de personnes. Là. Il y a 800 000 diabétiques au Québec. Imaginez toutes les autres maladies. Là. En tout cas, je ne veux pas être prophète de malheur, mais tout ça pour dire que le pool là, dans le lait, là, en crise économique, ça a ses limites. Là. Moi, je pensais bêtement qu'on allait trouver une solution. Tu sais, tu voyais les banques alimentaires qui en arrachaient. Il y a eu des dons, de fait, c'est magnifique, mais tu sais, on n'a jamais fini d'en donner. Mais il faut le traiter. Le problème, c'est que tu ne peux pas aller le chercher à la ferme. C'est ça. Tu ne peux pas aller le chercher à la ferme parce qu'il n'est pas pasteurisé. Quand il sort là, de la ball tank, là, il est cru. Alors moi, j'ai décidé, je vous avoue ça bêtement, j'ai décidé de faire ma contribution pour sauver le lait. Je sais que c'est une goutte d'eau dans l'océan de lait qu'on gaspille maintenant tous les jours, c'est triste. Puis j'ai décidé d'encourager mon producteur, je vous dirai pas où, qui me donne des cruches de lait cru. Ben oui. Je sais qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais je sais qu'il y a plein de gens qui en boivent. Alors moi aussi, quand je vois le lait sortir à terre, ça me fait mal au cœur. Fait qu'avec ça, je me fais du yogourt. On va se faire du fromage. Peut-être du beurre, là, je connais pas la recette. Là, il faudrait parler à ma blonde. Puis on a du lait comme ça. Je sais, c'est illégal, mais dans des circonstances exceptionnelles, on n'a pas le choix. Bon, ben bonne semaine tout le monde. Alors, je vous souhaite un bon moment avec la neige, parce que en confinement comme ça, ça sera pas facile. Je vous en passe un papier. Mes hommages.